c'est qu'il ne peut pas gérer le foyer, qu'il ne connaît pas gérer le foyer, qu'il ne peut pas encadrer les enfants et qu'il ne connaît pas donner éducation aux enfants. C'est ça qu'on appelle la femme laide. Sans vous mentir, un homme laid, c'est celui qui passe son temps à financer, à donner l'argent, puis il détruit. Il détruit sans te mentir. Tu es laid. Pour moi, si tu donnes de l'argent à une fille de part et d'autre, sans la prendre, comment gagner cet argent, mais comment s'en prendre, tu viens seulement là, tu gaspilles ton argent, tu donnes. Pour moi, tu es un homme laid. Tu veux contribuer à sa destruction à elle-même. Puis c'est ça qui nous détruit. No, the physique don't have any impact. Because you meet a handsome somebody physically, but that person is horrible inside. But you meet somebody that is not handsome physically, but that person is the right choice. La beauté a trois facettes d'abord. Donc il y a la beauté morale, physique et financière. Donc moi, la beauté qui m'interpelle chez la femme d'abord, c'est d'abord sa beauté morale. Mm-hmm. Mais là, oui. je parle à première vue. Mm-hmm. Quand tu vois là... Une fille comme ça, oui. Pour j'ai une fille belle, mm-hmm. pour moi. Ouais. Moi, j'ai une fille belle d'abord, pas la propreté. Mm-hmm. Regarde d'abord les orteils. Okay. Donc, Mings va déchausser les filles. Hein? Non, quand c'est que tu j'ai l'occasion de voir, si j'ai l'occasion de voir, ok. Oui. Maman, le galélé. Yosh, je dis que le galélé. Galélé, oh.